fidélité na bino, merci pour na confiance. Oyo bino bo pesa ka biso lokwa na mo message pour na ko memela bino ba sango ya République démocratique du Congo naza penda na esengwa ko eba bino ebele à travers le monde sokoza déjà en direct y Africa Plus TV pour na ko partager ba sango na mo na mboka samba olonga na tombeli yo penda boyeyi malamu awa tosalaka ndenge nini partager l'actualité likez yango tika commentaire depuis wapi yozali wazalendo depuis wapi yozali FARDC na motema partager les lives abonnez-vous n'oubliez pas de likez bienvenue na émission na bino polele polele samba olonga de père et de mère nde azali boso na bino pona ko partager na bino basango ya République démocratique du Congo tokolobela sango ya yambo ezali sango ya mobembo ya président Félix Tshisekedi na Chine esengeli toyeba ete président Félix Tshisekedi mobembo asalaki na Chine ezali pona ko attirer ba investisseurs chinois forum économique esalemaki RDC Chine oyo ezaka bamaki na Jean-Pierre Bemba comme vice premier ministre. En tout cas, ba retombe nango ezali nini tokolobela ngo na kati ya émission oyo président Félix Tshisekedi azali premier président oyo président chinois akutanaki na ye en tête à tête vraiment avantage ezalaki mingi côté à délégation congolaise pour na ko convaincre ba investisseurs chinois gouverneur ya ville à Kinshasa pe azalaki na molongo ya délégation congolaise oyo kendaki pour séduire pour attirer ba investisseurs chinois. Impact nango ezali nini na kati ya biso ba congolais na bomo na biso ba congolais qu'est-ce qu'il faut faire aussi à l'interne pour na ko encourager ba entrepreneurs congolais pour lobi lobi to kota bomboté samba olonga bobia za ka mutu ya ko panza nteke na ko fongola bino analyse pour na ko talisa bino penza nini esengeli sangwa mibale esengeli to ba ete Denis Sassou Nguesso azali kolobela likambo ya rwandophobie interrogé sur situation ya session ya batère na ba homme d'affaires rwandais tupi na Rwanda Denis Sassou Nguesso alali kotelemela likambo wana lobi ezali rwandophobie ya azali kosepela na ngote existe encore ba accord ya lolenge wana na Afrique du Sud tupi na ba pays mususu esengelite ko salila oya azali kobenga rwandophobie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête de Denis Sassou Nguesso? A-t-il abandonné les projets ndenge batali saki ki ba abandonné projet to azali ko continuer ko s'entêter na ba relation na ye na sanguinaire Paul Kagame to kolobelango na kati émission oyo yambwete to conclure ezali na accord moko oyo eza accord to mezali na engagement moko signé entre le ba représentant République démocratique du Congo Demiap na ANR bakutanaki na ba membre ya service ya renseignement rwandais selon ba sango ezali kobima na presse bazali kotalisa que plan moko ezali acté pour na ko neutraliser ba FDLR pe ko occasionner départ ya ba militaire rwandais pour ba militaire rwandais balongwa na sol congolais ezala bato bazali ko critiquer prise de position wana bazali ko critiquer ça il makambo wana balobi ça n'aboutira pas à quelque chose une fois de plus la RDC tozali ko kende na piste moko oyo bazali ko tia biso na distraction et sengeli toyeba na émission oyo nini biso tozali ko bénéficier pourquoi la RDC a accepté ya ko kende na piste o Italie makambo ya FDLR. Voilà tout pour l'actualité oyo toko aborder na bino sika sika awa na cadre ya émission oyo na tombele bino encore une fois de plus boyeyi malamu na kati ya émission oyo soki oza déjà en direct ya Africa Plus TV boza ebele ya kolanda biso tosalaka ndenge nini kabola basango oyo na ba voisins kabola yango penza likez partagez yango penda malamu malamu na voisin po yepe aza mwa éclairage ndenge kaka ezalaka impact pe idéologie ezali omoni basango pe okomprendre yango likez partagez c'est les gestes simples oyo tokoki kosala mpona ko soutenir
émission nabiso na pesa ka conseil chaque fois na bandaka émission na ngai que justice en zambe zalaka na ba acte biso to posaka soki biso to moniote est invisible ezali et pour finir par kozwa yo salaka kaka malamu po justice en zambe et zalaka nazongi penda na basango na biso parce que yango nde ezali motuya yango nde penda bozali kozala kozela partout bino bozali kolanda biso sango ali boso ezali mobengu mbo oyo tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi asali na mboka ya Chine ba président pe belé africain bazali na kati ya course wana bakeyi pe pona ko attirer investisseurs chinois ezali sommet Chine Afrique mais na lolenge makambo esalemeli kuna tomoni penza ke Chine azali kopesa importance première na gouvernement congolais topé na président ya République démocratique du Congo. Il est le premier président à être reçu par le président chinois. Lo lenge pe ya esale li makambo na ndenge ba koti na ba discussion, on voit que la délégation congolaise a été quelque part très privilégiée na cadre ya ba relation na organisation ya ba forum, surtout forum ezali d'ordre économique. Analyse ya liboso tozali ko sala ezali information o ezali de plus en plus ko se préciser. La Chine fait du Congo son premier partenaire économique en Afrique. Donc, awa toza buloba wa, Chine a décidé que ape sa priorité na Congo, présence na ye na Congo, akoti ka ngote e koza la renforcer. Masolo oyo, Tshisekedi awuti ko solo na président chinois. Après conclusion, il y a revisitation, il y a contrat sino-congolais. Tu dis que contrat wana ekota ka mafia mais pas Kabila. Kabila a bien commencé parce que idée musu ezala ka malamu mais mutaza ko linga ko appliquer à monde mabe. Joseph Kabila avait initié les contrats sino-congolais qui ont fini par des contrats léonais oyo et bénéficia quitté pour la majorité à bafond na peuple congolais. Les milliards de dollars où il singela qui est tonga ba infrastructure na Congo, ba milliards de dollars où il n'a qui est tonga banzela ba hôpitaux, ba école, tout ce qui était prévu et finir na ba poche ba individu et les investisseurs chinois aussi en ont profité d'une manière parce que gouvernance il y a Joseph Kabila, ils ont l'époque ils ont qui très chaotique et moins transparente. Lelo Félix Tshisekedi ba américain ba satanda qui que ce qui Félix Tshisekedi aye le rôle bango bazali na guerre stratégique na Chine Amérique azali ko éviter présence chinoise na ba endroit stratégique c'est-à-dire ba pays oyé azali ko mona hautement stratégique ba américain ba sali ko tu voir même na mobeko oyo ezali ko sala que ba s'attaquer na ba président oyo bazali ko s'allier na ba opposant na bango. Ils sont très rigoureux par rapport à la relation Afrique-Russie. Mais dans le cadre où ils sont chinois, le coup de la Bango Mokope américain, ils sont en interdépendance. C'est-à-dire la Chine dépend économiquement d'une certaine manière des États-Unis. Les États-Unis, les Bango Mokope américain, ils sont en train de lier économiquement les Chinois. Et ça, là, il y a une petite marge de manœuvre dans la relation. Sinon, américaine, na ba relation peut-être américano-russe. Na contexte, soit Abisope, président congolais, Amoni Zela Zela, Mukumbuso Azangela Mukila. Les Chinois sont très présents en République démocratique du Congo. Ban Chinois, bazali ko contribuer na ba infrastructure. Main-d'œuvre chinoise, na makambo etalin Zela, eza moins coûteuse. Ba chinois soko bengi bango pona ba infrastructure c'est facile bo sala ba contrat na bango qu'il y ait du concret soki bino moko boza sérieux ba américain ba laki na premier mandat ba lobi nous allons vous accompagner Félix Tshisekedi to kozala na yo pona ko renforcer économie na yo to kotinde la yo ba investisseur to ko aider yo po o mettre fin na guerre à l'est du Congo. Toutes ces promesses ont été vraiment oublié parce que le loto kolobawa partenariat stratégique il y a États-Unis d'Amérique na
République démocratique du Congo et porter fruit mon côté convaincant aux Congolais à occuper quoi adopter moi lobby que en tout cas Amérique a sa partenaire Nabisso. Par contre, les États-Unis d'Amérique continuent ya koti mola mabulu na est ya Congo ici ka pi bango ba bébisa. Aujourd'hui, les gestes que pose Félix Tshisekedi Ezali, même geste posé peut-être d'une autre manière par Laurent Désiré Kabila, par Joseph Kabila, pour Joseph Kabila na touro ya yepelo oni ne mimaki pas ba chinois. Tant mo monique batoyo, bazali batoyo ba promesse moko oyo ba réalisakate ba kotikala ko accompagner ngate pour na sala moko et loro moko ko za la convaincant devant ba congolais. Mutu baza ko finga matin midi soir c'est moi Kabila. Kabila s'est tourné vers les chinois. Mais il fallait que kende na ndenge ya bien na souci ya mboka. Ça l'a encore aidé à s'enrichir davantage lui et ses acolytes. Yena ba entourage na ye, en tout cas, ils se sont enrichis. Tshisekedi pe lelo a lamuki parce que le mandat ici que nous voyons le deuxième mandat court, ils a mukuse. Ils ali mukuse même ceux qui lobby congolais ko lobal kalingi Tshisekedi mingi photo ba ki sa main. Tout à ce stade ils en a nous concourir derrière timing ou pesami. Et les Congolais ne savent même pas que la taille des problèmes de leur pays ils allaient vraiment coïncider dans le mandat il y a 5 ans dans le monde dans le pays où ils ont avancé en termes d'organisation la stabilité institutionnelle. Chez nous les Congolais, tant que nous avons 5 ans, ils ont le monde dans le quartier, il y a changement dans le quartier. On dirait pas problème à Congo, il y a le monde dans le Tshisekedi est déjà monté. À Monique, avec les Américains, les Européens, il n'y aura pas de fruits probables. Il faut des contrats, il faut des partenariats oyekoko mema angwema moko ya développement pour résoudre les problèmes ya banzela, problème pour passer les ans à Congo les ans là, passer ya développement les ans là, les ans mai, les ans courant, ou bien énergie électrique, ya ngoba problème minene o tseke ya kendeli Chine. L'autre problème est le partenariat stratégique. Les Chinois sont clairs, les Américains sont flous, les Occidentaux en général. Ce que tu as dit, Congolais, Bélé, oh, tu sais que tu as dit que tu as dit avant que tu as dit point tu sais que tu as dit que tu as dit que tu as attirer les investisseurs chinois. Les Chinois sont déjà présents sur son sol. Tu as dit Daniel Bumbakuna, tu as dit ministre de l'Industrie, Forum économique et Salami. Plus de 300 investisseurs chinois. Ezali porte, mais problème où ils ont à Congo, ils ont organisation. Les investisseurs peuvent venir en masse, mais ceux qui ont organisé, ils ont imposé, ils ont imposé, ils ont imposé, ils ont imposé, ils ont exploité, ils ont imposé, 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 ils ont mieux organisé. Daniel Bumba est allé pour toquer aussi à son tour. Félicitations pour son discours. Tout le monde dit que Azako Megakota les Sabango que le Congo est à terre d'opportunités. Kinshasa, aujourd'hui, c'est près de 20 millions d'habitants. Entre 17 millions et 20 millions, ils ont marché Mokomunene, les opportunités, ils ont kili kili. Les défis où ils ont se présenté dans Kinshasa, en réalité, ce sont des opportunités. Même les Togo Babouza, pour ça, la passe, c'est que les Congolais ne savent pas eux-mêmes créer des emplois dans leur propre pays. Pourquoi Moté Mamabe Eliki les investisseurs chinois bazana bango déjà. Balobia wa soki bazako luka ko sa la bango zone économique spéciale ya ba chinois. Donc en dehors ya zone économique spéciale ya biso ya Congo bazako organiser ba bisika, il faut aussi une zone économique spéciale pour les chinois parce qu'ils sont les premiers partenaires économiques de la RDC. Bango nde mutu bazoya mingi na ba importation na bango na Congo. Sachez que ndenge bazoya wana ils sont puissants. Mouto azalaka puissant a comme naturellement a besoin de dominer. Et les Chinois quand ils s'imposent comme ça économiquement ne vous attendez pas que vous allez sans conséquences politiques. Il y a toujours des politiciens qui sont bon bongi ça rappelle déjà na ngambo yo ya ba Congolais. Les Congolais ne se retrouvent pas dans l'entrepreneuriat. Ba entrepreneur congolais, ba commerçant congolais, il faut bazala bien encadré, peu privilégié. Pour que pouvoir n'abuse économique et qu'il n'y ait qu'un amour à papayati. S'il faut remplacer les Libanais, les Indiens qui nous prennent en otage, n'abamarché, n'abuse par les Chinois, ça sera encore plus pire.
Mais investissement tolingi, baya, ba investir, ils vont créer des emplois. Mais la priorité des priorités, c'est les Congolais. Talandenge bozo kende ko sutuke la bango ba chinois to boite bazako ya et les autres qui viennent ici les Turcs na ba difficulté to za nango. Mais si c'est un entrepreneur congolais, okobeta porte ya hôtel de ville, okobeta porte ya primature, on dirait bazo mona yote. Il faut corrompre, mettre des moyens à des autres. Na mboko ko ba respecter lo ba lo poso pembe, oza soit asiatique, soit européen, soit américain, wana nde bato sio. Combien d'entrepreneurs congolais bazo ko kate côté le misa ba entreprise na bango na Congo parce que c'est grave au Congo. Yango biso toza ko belela kaka po nyonso ko ya ke pas chef de l'État. Ozo sala effort diplomatique munene, mais à l'interne aussi il faut ko bongisa. Ozo mona toza ko attirer ba investisseurs a to lo ba misala ba Turc et Telemaki. Des grands chantiers na Kinshasa oyo ba tutu ba koma ko tia mute ba balobi, ça c'est un espoir parce que ko créer ba emploi pe eza ko résoudre ba problème mususu. Mais ba Turc ba kati ya ko na nini? Misala ezo sala mate. Centre financier Fikino, aéroport Yandili, makambo eza belé oyo bango ba prévoyaki. Mais pour la nini ba telemi na moment oyo? L'organisation. Ce qui bango baye bakuti mafia bakosa la pe mafia ba chinois ndenge to ko benga bango so baye awa bakuti bino kozana muyibi na bino. Les chinois ne sont pas comme les américains qui disent que biso tolingi non à la corruption, non aux antivaleurs. So bakuti ona ba antivaleurs akote ayo te ke tika ango bakoyaka ka bapusani bapusani bango ba luka ndewe ya bango intérêt bako imposer bino norme mokoti. Yamozo mona bazolinga bango partout, surtout mingi ba dictateur. Ils vous trouvent dans les désordres. Ils entrent dans ces désordres là bango bazolu kaka par na bango. So bakuti bino pe na ordre parce que les chinois construisent même en Europe. Ba reno sala masekite. Bazo sala biloko na bango ya qualité première parce que ba yebi ke ba européen na ba américain ba exigeant. Bazo ki ne ko pesa bango première qualité. Bino lokola bolingi ya moins cher, moins coûté, vous n'êtes pas exigeant, vous ne voulez pas trop la bonne qualité pour la plupart des gens dans mon milieu ba pauvre parce que libino seconde qualité. Été Abisso, vous êtes en direct d'Africa Plus TV, likez, partagez les lives, mingi mingi like, ça la rappelle bien, et ça pour encourager Abisso. Donc, Mobembo ya Félix Tshisekedi na Chine, ezali grande réussite, ezali pe stratégique na contexte ya guerre. Ba chinois, bazali pe kobunda na poa, Tshisekedi aza kobunda na ba chinois. Ma conseil de sécurité à Nations Unies, Moussa Leza Kosa le Maliza, que ce sont les Chinois qui ont équilibré les choses pour que l'embargo n'a plus au pays longwa. Et ils ont ba nanyo yo, ba français, ba ngo ba cédé na ndenge na bango, mais les Chinois et les Russes ont quand même quelque part soutenu pour que to longwa na embargo au biso to zwaki. Mais il collabore avec n'importe qui. Ce que tu as dit, c'est que Chine a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit Congo. On collabore avec tout celui qui se présente de manière respectueuse. Alors, comme je dis bien, la guerre à l'Est et à Congo, ils ont une guerre à Mindougité. Ils ont une guerre, il y a un problème, il y a un intérêt à chaque pays, chaque puissance. Tu sais que tu ne veux pas qu'ils s'affrontent sur notre sol, mais Nassé, ils ont déjà dit que tu as dit Nassé. Bango as dit que tu as dit mais biso poto se protéger aussi na to sala ndenge nini calcul ya tiseke deza ndenge wana to kende nango na brutalité te. La Chine peut aussi contribuer d'une certaine manière pour que à l'est du Congo guerre ici là en équilibrant aussi les choses tout en sachant que bitumba ba occidentaux nde ba créer yango wana ezali ba analyse na biso basé sur les informations concernant mobembo ya tiseke di na États-Unis. Sangwa mibale tozali kolobela wa ezali ya Denis Sassou Nguesso affaire na ye na Paul Kagame. Nous avons pensé que gouvernement ya République du Congo, pays dirigé par Congo par Denis Sassou Nguesso, ba renonsaki na affaire oyo ya session ya bataille na Kigali ya Kagame. Mais kolanda maloba oyo Denis Sassou Nguesso auti ko bimisa na Jeune Afrique. Ba interroger ye sur question ya session ya bataille na ba Rwandais ou eza ko sala polémique, voire même les Congolais de chez lui ba tombo ki pona dossier wana. Réponse ya Kagame eza ko pousa biso to ebisa bandeko na biso, réponse pardon ya Sassou
ezako pousa biso to yebisa bande kona biso a Congo Brazzaville bande kona biso bolanda biso na salue bino bande ko bozo bolanda biso na pointe noire depuis Brazzaville. En tout cas on est ensemble. Vous devez être debout parce que le cerveau de Denis Sassou Nguesso est déjà fatigué. Il ne sait même pas concrètement de quoi sera fait l'avenir de la République du Congo. Sassou dit qu'il s'agit de la rwandophobie. Alors, il y a accord, il y a déjà Rwanda, ils ont déjà accord rébellé. Il y a plusieurs accords comme ça. Que dire des accords avec l'Afrique du Sud et d'autres pays? Il y a déjà des accords comme ça avec d'autres pays. Pourquoi l'accord avec le Rwanda pose problème? Ah bon? Yo, si au moni pays ni en Afrique, awa bah suspecté bah Sud-Africain qui basa espion. Pays ni au moins awa bah suspecté bah Marocain qui basa espion. To basa aucun négociement trouble. Mais le Rwanda est suspecté partout à travers l'Afrique. Partout où les Rwandais vont, sachez qu'il y a un problème sécuritaire qui va se poser là. Baza ba bouc émissaire, il y a une sécurité provoquée par les Occidentaux. Les Rwandais vont toujours avec une malédiction qui fera que beaucoup de terres, comme ça, les Manambo Karabino, il y aura de l'infiltration. Ils ont un système de renseignement fabriqué par l'Occident pour Bavan Disabango na pouvoir en Afrique centrale mobile. Mais comment ce vieux dictateur de Sassou ne peut pas comprendre ça? Il cherche toujours un alibi pour soutenir son allié de dernière heure, Kagame. Comment ce vieux dictateur, au moment où tout le monde voit le déclin de Kagame, lui s'accroche? Azali ko s'accrocher, pambate, retenons seulement une chose. Kagame voit aussi son destin à travers celui de Kagame. Ils savent que ces dictateurs-là, bah Museveni et les autres, s'ils tombent, ce vent-là va aussi affecter son pays. Il doit garder une marge de manœuvre et à solidarité avec ses amis dictateurs. Même si lui ne fait pas la même chose avec comme les Rwandais chez lui, mais il doit être solidaire avec Kagame, certainement parce qu'ils sont tous de la même catégorie. Moins panafricains au service des Français. Moussala Yassassou Yangwana. Yangwana a prêté confusion à l'lobby rwandophobie. Il n'y a pas la rwandophobie. Même au Congo, il n'y a pas de la rwandophobie. Les Congolais vivent avec les rwandophones. Les autres, morphologiquement, ne sont même pas à savoir. Mais ils sont rwandais, ils vivent au Congo. Les autres, si aujourd'hui ça pose problème, c'est à cause de Kagame. Comment Sassou peut être ignorant du problème à l'est du Congo? Ce problème est venu, lui était au pouvoir. Il a accédé à Yéna pouvoir, problème où il est bandit, il est au courant. Il sait ce que fait Kagame à l'est du Congo. Il sait pourquoi les Congolais de la République démocratique du Congo sont inquiets de la présence des Rwandais sur le sol de la République serre du Congo. Comprenez, chers Congolais de Brazzaville, que votre dictateur n'a pas encore renoncé à 100%. J'avais beaucoup de réserves tant qu'on appelle ça information, on a oublié que Baouti qu'on renonçait gouvernement, il y a République du Congo. Baouti qu'on renonçait ma contrat à cession des terres, où il y a eu ça qui va Rwandais, le lobby décembre, il y annulation totale. Je vous avais dit de rester debout parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de ce monsieur-là. Il peut se réveiller ce matin, un certain matin, à lobby, non, on trouve que on doit geler une certaine partie, on leur laisse une partie. Ils ne sont pas encore fatigués. Ils sont prêts à du n'importe quoi. Chers Congolais de Brazzaville, sachez que pour que Kagame se débarrasse, se sépare de Sassou, c'est un problème. Pour que Sassou quitte le pouvoir au Congo-Brazzaville, en tout cas, et Sengeli Pendabo Telema, vous devez rester debout. Et pendant aussi ce temps, pour aller vers la fin de cette émission, l'ANER, la DEMIAP de la République démocratique du Congo, na service à renseignement à Rwanda, les représentants du service à renseignement à Rwanda, bakutanaki na cadre ya processus ya Rwanda pour essayer d'aplanir les divergences, trouver des solutions pour que cela occasionne le départ des militaires rwandais sur les sols congolais. Et là, on a dit que
Les Rwandais insistent beaucoup sur les FDLR et les langages des Rwandais. On sait que les Rwandais agressent les Congo. Mais les Européens, les Américains s'accrochent aussi à ces langages-là. Tant que Bazako a condamné l'agression rwandaise, censément rwandais, ça a choqué plus d'un Congolais. Il y a des Congolais qui ont pensé que Félix Tshisekedi continue à les trahir. Tshisekedi d'Azo continue comme ça la mabé. Il n'y a pas question de FDLR chez nous. Pourquoi Tshisekedi peut accepter? Question Wanaya Rwandais, c'est une question très piège. Qu'est-ce qu'il va négocier? Non, procédure, il y a un dictateur sanguinaire qui veut le chaos. Dans la procédure, il y a un démocrate qui veut la paix, qui protège son pays, et Zali, Mibale Koukanite. Démocrate, na dictateur, va te faire un côté. Félix Tshisekedi veut balayer toute forme d'accusation au Kagame, à Zali Koporté et Panayé. Kagame parle qu'il y a des FDLR alors qu'à côté na Congo, Mbala Nambala, le coup la zo côté na Ndabou Naye, pour la question de FDLR. Yango ba yokani, bazui Kagame ou mo, la conclusion est actée, l'Angola est là, la médiation. Ba FDLR ou Kagame a pesi ba combo. Ce sont des vieux de 70 ans, moutouaza na ba âge mouke kouna za na ba 60 quelques, voire moko aza soki na 50 ou bien 40 quelques wana za kouna. Pour la plupart, les noms cités par les services de renseignement rwandais. Il y a soi-disant colonel, il y a généraux, il y a Kala. Moussous, il y a 1900, il y a 40 combien. Il y a 4, il y a service de renseignement rwandais et transmettre na service de renseignement congolais pour les neutralisations. Et pour comprendre aussi que c'est une aventure, plan wana balobi c'est pour 5 jours. C'est-à-dire bah qu'on neutralise bah toi n'ayons au Rwanda à l'obiqué Bazali qu'on représentait menace pour naier pendant 5 jours. Pour nous, nous pensons que Ezaline Debusso bah qu'on s'accanana Debusso, mais dans la démarche diplomatique, Félix Tshisekedi Azali vers dernier virage. Au Kagame Azali pour fondre la Congo na Mukili devant le monde entier, nous savons que tu balayer point Oyo. Toyo que l'eau au Nini au Bangou Balini Koloba. Et puis ils ont accepté, bah, non, ceux qui ont sali l'opération, voilà, il y aura retrait des militaires rwandais. Il a accepté que les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Diplomatiquement, c'est un piège. Politiquement, ça paraît un signe de faiblesse pour nous parce que tous allés ont accepté en gros. C'est nous, Bissonné, tous allés là parce que ça se passe sur notre sol. Quelque part, Bissonné, nous a touché. C'est nous qui avons des millions de déplacés. Yango, il faut quelque part pour la sa bonne volonté que Bisso tous allés camboter. Le reste est allé à faire Yabitumba. Si les Américains, après tout ce que fait Félix Tshisekedi comme démarche, ne récupèrent pas leur poulet, Paul Kagame, en tout cas, je ne pense pas que Félix Tshisekedi a voyagé à Bisso le sous où j'avais la bonne volonté. J'ai discuté avec les Rwandais, le président Kagame, j'ai fait ceci. En tout cas, n'a évité ce que l'on n'a pas voyagé à Bisso. Mais Awa Tomonique et Félix Tshisekedi et Kagame sont un peu dociles aux Américains pour eux balobi yango ezosalema malgré biso ba congolais to boyi yango mais yango tomoni baza ko finir par kosala, c'est-à-dire observer une trêve, laisser la chance au dialogue comme Kagame parce que balobi ba ministre affaires étrangères baza ko kutana na mikoleza ko yawa liboso ba ko kutana pona ko conclure oyo ba service de renseignement Bate, service de renseignement, Bazaka ka organe technique, Oyo et accompagné pour na kulande la information, na ba détail nyonso, kozwa ninyo et singeli. Kagame est pris dans son propre piège. Si le retrait des militaires rwandais est conditionné ou à la neutralisation des FDLR, Yangoyo, communauté internationale, biso to sengye à la kisabiso bato baza, a bengi ba FDLR. Et ça sonne nakuya parce que la télévision est en gongatin ici les gimingi nakotangi la bino ba combo na émission et ça koya bomona na ba age na bango ce sont de vieux oyo baza ko benga ba ba FDLR wana. Vous êtes en direct Africa Plus TV, merci na bande ko bozola na biso na Captown, merci na bino nyonso vraiment boza ko landa biso bande ko pe bayaka kokota pona ko finga biso problème eza na ngote. Ma finga est arme ba faible. Si vous avez des arguments, il faut avancer vos arguments. Loba oyozo kanisa. Mais tant que finga, elle a dit que vous a limité. Émission Yamukola Lelo et comme penza na suka présentateur nango comme on a samba au longa des pères et des mères, ils en ont sobriqué. Donc ce que c'est pour la émission oyoko bimate sans ko liker.
likez yango kabola yango na voisin kabola yango na congolais nyon sur la plateforme yozali yé pas so sola ke Congo singeli toza la debout ya mutu ya ezali unité ezali amour ya Congo mobilisation générale. Les numéros pour m'écrire sur WhatsApp c'est le +243 82 349 65 26. Wazalendo na motema, Fardese na motema. Tokutani prochainement na émission Moussousou.